Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 57 ans, je suis suivie depuis 2015 pour un cancer du poumon. Alors l'annonce du cancer du poumon, c'est d'abord un gros choc, parce qu'on ne s'y attend pas. N'étant pas fumeuse, donc je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est l'effondrement, puis on se lance, on y va, il faut y aller, de toute façon on n'a pas le choix, il faut se battre. Donc on est obligé. Allez, on fonce, on n'a pas le choix. Voilà, on y va. On me l'a présenté parce que je pense qu'il y avait... C'était nécessaire que je rentre à la maison, dans le sens que trop d'hospitalisation n'est pas bon, après pour le patient. Il a besoin d'être entouré parce que c'était un peu compliqué. On m'a dit, vous êtes hospitalisé à domicile, tous les papiers avaient été faxés, tout avait été préparé en amont, mais moi, j'étais la spectatrice là, j'étais pas autre chose. J'étais la spectatrice. On ne m'a pas dit comment ça se passait, on ne m'a pas dit ce que ça allait être, on m'a rien dit. On m'a juste dit, on vous installe un pipeline et après tout se fera à domicile. J'ai été hospitalisée à domicile 15 jours. Oui, j'avais été traitée à l'hôpital auparavant. Le traitement que j'avais ne fonctionnait pas. Et donc, du coup, on a été obligé de mettre un traitement qui était beaucoup plus fort. Et ils ont décidé de le commencer à l'hôpital, mais comme il était long, pour le finir à domicile. Tout a été décidé avec l'hôpital. L'hôpital a donné toutes les consignes à un prestataire de service qui s'est mis en rapport avec la pharmacie. La pharmacie et le prestataire de service sont venus tout installer à la maison, c'est-à-dire le traitement de 15 jours. Il a fallu consacrer une pièce entière pour ce traitement parce qu'il fallait stériliser, que tout soit très propre. Pas un microbe ne devait rentrer. Le prestataire de service est venu en amont avec le pôle d'infirmières qu'il y avait, parce qu'on tournait nous avec 4 infirmières, et tout le monde avait eu une réunion, et tout avait été expliqué en amont. Moi, j'ai rien vu de tout ça, j'étais à l'hôpital, moi. Moi, quand je suis arrivée, on m'a pris en charge du début jusque pendant les 15 jours. On m'avait installé avant mon arrivée à domicile un pipeline et on venait donc 3 fois par jour, on m'a mis des petits biberons, ça s'appelle, et 3 fois par jour on venait me les recharger. Il y en avait un biberon qui tournait sur 24 heures et les 3 autres tournaient sur la demi-heure, l'heure, et on tournait comme ça. Donc j'avais toujours mes petits biberons à côté de moi pour dormir, pour me laver, pour tout. Les infirmières, et j'avais le médecin du village, le généraliste qui s'occupait aussi. Non, mon suivi médical n'a pas été modifié, mais non, il n'y a pas eu de suivi plus à domicile que... On avait les suivis normaux, c'était les suivis normaux qu'il fallait, contrôles normaux. L'hospitalisation à domicile est bien parce qu'on est en famille, on est dans la maison, on est chez soi, avec tous les avantages qu'il y a, on n'est pas isolé, on n'est pas seul, tout seul, face à sa maladie et tout. C'est plus convivial, on est toujours à la maison, même si on est malade, on est toujours à la maison, c'est plus pratique. C'est sûr qu'il y a des inconvénients parce que c'est l'hôpital qui est à la maison. On a une pièce qui est complètement consacrée à ça. Tout le monde ne peut pas y rentrer dans cette pièce. Il y a des inconvénients, mais il y a quand même un gros avantage. On est à la maison. Et pour la guérison, c'est fabuleux. Je veux dire, c'est fabuleux ça. On n'a pas changé l'alimentation pour autant à la maison en hospitalisation à domicile parce que bon, ça ne nécessitait pas. C'est sûr que quand vous êtes, vous mangez pas beaucoup, vous n'avez pas faim. Mais j'étais plus là
avec moi quand j'étais à la maison que quand à l'hôpital, parce que bon, il y avait des contraintes d'horaire, l'hôpital on ne peut pas y être toute la journée. C'était beaucoup plus pratique. C'est sûr qu'il y a des inconvénients pour l'entourage, parce qu'on bloque une pièce, il y a une hygiène qu'il faut avoir. Il y a plein de choses, c'est sûr, mais c'est la maison, c'est mieux. C'est beaucoup mieux même. Pour l'hospitalisation à domicile, entre les infirmières, le prestataire de service, je me suis vraiment sentie accompagnée. La famille et tout, ils ont toujours été là, c'est pas un souci. Le médecin généraliste aussi. C'est le médecin du service hospitalier qui a envoyé un fax au prestataire de service et c'est le prestataire de service après qui a pris contact avec nous pour pouvoir, enfin surtout avec ma famille, pour pouvoir mettre en place les infirmières, pour voir si on avait des infirmières qui, si elles étaient bien adaptées, parce que ça aussi, il faut qu'elles soient spécialisées là-dessus. Moi, heureusement, les infirmières que je connaissais, elles étaient spécialisées, donc j'ai eu cette chance. Et avec la pharmacie aussi, ils avaient faxé à la pharmacie avait tout livré à la maison et tout. Tout a été fait en amont. On n'a aucune information n'est donnée. Il faut qu'on se débrouille tout seul pour tout faire. Une ordonnance que j'avais, on m'a dit « Votre famille a qu'à venir la chercher, l'ordonnance, et après aller chercher les médicaments. » J'ai dit « Non, je ne suis pas d'accord là-dessus. Ce n'était pas à ma famille de le faire. C'était à eux. Ils ont une pharmacie à l'intérieur. Ils pouvaient me faire partir avec mes médicaments. » La prise en charge qui serait le mieux, c'est qu'il y ait une écoute entre le médecin qui prescrit, le prestataire, les infirmières, que tout le monde puisse s'écouter et s'entendre surtout, parce que le médecin de l'hôpital, lui, il a fait son ordonnance, après on ne l'a plus vu. Non, il n'y a eu aucun frais qui a été à ma charge pendant l'hospitalisation à domicile, tout a été pris en charge pour le 100%, parce qu'un cancer, on a un 100%, et non, aucun frais n'a été pris en charge. Et l'aménagement de la maison, c'était juste le lit, on n'a pas eu besoin de lit médicalisé ni rien, c'était juste un lit normal et une chambre normale qui a juste été désinfectée, qui a juste été tous les cartons entassés dedans, parce qu'il fallait qu'on garde tout le matériel à côté, ça a juste été ça, mais moi personnellement, je n'ai eu aucun frais à débourser là-dessus.